J'ai remarqué que j'avais pris un coup de soleil genre hier et aujourd'hui. Enfin, sur le visage déjà. Puis ici. Je sais pas si on va voir. Yes! Je me dis que ça me faisait mal dans le cou aussi, mais petit coup de soleil. Yes! Ottawa, Grand Sainsbury, j'ai environ 400, si je ne me trompe pas je mettrai en bas, mais j'ai 400 km, un peu plus de 400 km, donc voilà, on est motivé, il pleut, ça c'est un peu dommage parce que je ne sens pas à quoi il fait beau, mais ça va, on va faire avec. Donc voilà, là c'est parti, j'ai au total 5h30 de route, donc bah, c'est parti, hein, on est chaud, wouhou! Donc pour cette troisième étape, on reste toujours dans la province de l'Ontario en direction de Sudbury. For the record, I'm done trying to make y'all comfortable. For the record, you ain't trying to grow, then it's done for you. For the record, lab on me going all the way. For the record, ain't trying to link no time to waste. For the record. Hello les gens! Donc je suis bien arrivée à Sunbury, ça s'appelle. Donc c'est une ville dans l'Ontario. Donc ça y est, je viens d'arriver. Je suis vraiment fatiguée là parce que ça a été assez dur les 5h30 de route. Non, en vrai ça va, ça a été quand même, c'était pas si pire. Mais voilà, c'était juste assez. Donc je suis arrivée dans mon petit Airbnb. Donc je vais vous faire un petit Airbnb tour. Il est vraiment cool celui-là en fait, c'est d'un sous-sol entier. Attendez, je vais montrer. Donc quand on arrive. J'ai une chambre comme ça. Voilà. Hop, petite chambre comme ça. Donc en fait, ouais, c'est un sous-sol. Donc il y a les fenêtres comme ça. Et c'est genre tout le sous-sol. Bon, ici c'est. Voilà. Salle de bain. Ensuite. Salle de bain. Ici, douche. Voilà la base. Et. Ensuite, bon ça c'est rien. Et ici, une cuisine. C'est genre la cuisine entière. Avec frigo. Bon, le frigo il est genre plein. What the fuck? Genre ça c'est mes affaires. Puis il y a tout le reste du frigo qui est plein. Petit frigo. Petite cuisine. Donc franchement, là, je vais retourner. Hop. Donc là franchement, je me mets plutôt bien. Je suis plutôt contente, enfin, après j'y passe qu'une nuit donc voilà. Petit micro-ondes des familles, petit grille-pain, voilà. Donc on est pas mal, petit bureau aussi. Je vais pouvoir continuer à faire du montage. Et voilà, c'était ma troisième étape. Donc on se retrouve demain pour la quatrième étape. On se retrouve sur la petite chaise de bureau. Car j'avais envie un petit peu de vous parler, enfin vraiment vous parler vite fait de mes sentiments, de comment je suis là maintenant. Donc là nous sommes à l'étape 3, je pense à peu près au tiers de la route. Donc je peux vous avouer que ça va vraiment super bien. Je suis vraiment contente parce que j'ai vraiment réussi à prendre une espèce de pente, de virage vraiment dans une bonne motivation.
C'est vrai que j'ai passé vraiment 3 jours super super top, vraiment hyper réconfortant aussi bien moralement que physiquement. Enfin, j'ai vraiment passé 3 jours top. Déjà le parc Omega, ça m'a fait un bien fou. Enfin, je sais qu'on n'entend pas trop parler de ça, mais là, je crois que c'est la zoothérapie, quelque chose comme ça. Moi, je sais que c'est quelque chose qui me touche énormément, le fait d'être avec des animaux, ça me fait énormément de bien moralement. Ça, vraiment, ça, je sais pas, ça me touche énormément. Donc c'est vrai que ça a été une journée hyper réconfortante, le parc Omega. Ensuite le lendemain je suis allée visiter le centre-ville et j'ai pu voir une amie, j'ai pu retrouver une amie Victoria que j'avais rencontrée à Québec, donc même chose, genre hyper réconfortant cette fois-ci dans le sens amical, parce que voir une tête, déjà voir une tête familière, c'était aussi hyper réconfortant. J'ai vraiment passé une très bonne journée avec elle, c'était vraiment super sympa, elle m'a montré des trucs top et franchement c'était vraiment bien. Puis pareil, ensuite le troisième jour j'ai fait ma petite randonnée donc au parc de la Gatineau, donc là c'était un petit peu côté nature, a vraiment fait du bien aussi pareil au moral. Enfin, c'est vraiment 3 aspects qui pour moi sont hyper importants et qui me permettent de me remonter le moral. Donc vraiment voilà, le fait d'avoir vu des animaux, d'avoir vu mon ami, d'avoir pu me promener toute la journée en forêt, ça m'a permis de passer 3 jours vraiment mais revitalisant, de repartir sur une super bonne une super bonne dynamique. Donc voilà, j'espère vraiment que ça va durer. C'est vrai que moi je commence à me connaître un petit peu, il y a souvent un petit peu des hauts débats, mais voilà, je vais pas trop m'attarder là-dessus. Mais tout ça pour dire que là je suis vraiment dans une super bonne dynamique et voilà, je suis vraiment contente. Donc on va voir comment se passent les prochains jours. J'essaierai de vous refaire un petit bilan comme ça, vraiment super rapide. Je pense peut-être à la moitié ou au troisième tiers, ça se dit pas, mais presque à la fin du road trip pour voir un petit peu comment ça évolue. Les gars, j'ai été tellement, mais tellement productive que du coup, ben, vous allez avoir la partie de mon road trip qui va sortir demain. Enfin, ça sera déjà sorti quand vous verrez cette vidéo. Mais à l'instant T, ben, je viens de finir le montage et puis ben, ça va sortir demain. Voilà. Vous savez, on fait souvent des propositions de partenariat où on nous propose. Déjà, je suis lourd, ça va être très compliqué. Moulez-moi la part de patience. Un conseil, saisissez toutes les opportunités pour prendre de l'avance. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la 4e étape de mon road trip. Donc, je suis partie de Sudbury à environ 45 minutes et donc là, je suis en route pour Sault-Sainte-Marie. Donc, comme je vous l'ai dit hier, ne vous étonnez pas si les noms vous sont inconnus, c'est normal, c'est parce que j'arrive un peu dans les plaines paumées d'Ontario. Je vais faire juste une escale d'une nuit, enfin, il n'y a vraiment rien de très intéressant à visiter. Donc voilà, quatrième étape, c'est parti. Aujourd'hui il pleut, mais bon, pas grave. Donc c'est ça. J'ai pas grand chose d'autre à dire. Donc là c'est parti. J'en ai pour environ 380 km, donc c'est cool, c'est un peu moins long que hier. Donc c'est plutôt pas mal, ça fait 3 heures, à peu près 3 heures. Donc c'est ça. Pour cette 4e étape, on reste encore dans l'Ontario, on va y rester quelques temps et on va en direction de Sault-Sainte-Marie. Que nous sommes là sur un spot de qualité, petite salade bon duel, petits chips, petit babybel et la vue. Mais les gens, vous n'êtes pas prêts. Regardez-moi cette vue magnifique, autoroute qui passe ici, petit champ, petit voie de chemin de fer, petit parking, j'adore. One eternity later. Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Donc là ça y est, je viens d'arriver à Sault-Sainte-Marie après environ 3h30 de route. Donc ça va, ça s'est vraiment bien passé, enfin c'était vraiment pas très long. La preuve, je suis arrivée assez tôt là, il est 16h, donc je suis contente parce que je vais pouvoir me poser. Enfin j'ai quand même une petite partie l'après-midi pour faire des trucs. Je viens d'arriver dans mon Airbnb et genre sans mentir, croyez-moi, j'en ai fait des Airbnb. Je pense que c'est le plus beau Airbnb que je n'ai jamais vu. Vous n'êtes pas prêts. Franchement, il est ouf. Donc quand on arrive dans la chambre, c'est genre... Voilà.
petite télé, petit meuble, petit truc à rangement. Regardez-moi le lit, il est énorme. Non mais c'est ouf, j'ai jamais vu un truc aussi beau. Enfin la maison elle est magnifique. Puis genre petite commode. Regardez comment c'est immense. Ici est le canapé. Mais what, je suis choquée. Enfin, pour vous ça paraît stupide, mais pour moi j'ai jamais vu un Airbnb aussi beau. Mais genre franchement. Et attention, les petites touches d'attention en plus. Petit chocolat ici. Petit, je pense c'est du sucre. Café, bon du coup j'en bois pas. Mais genre, waouh. J'ai... Wow, magnifique franchement. Rien à dire.